je pensais que c'était la fin. Il était une fois un ange moustachu qui ne savait rien faire ni sur terre ni au ciel. Un jour, il est entré dans la cabane d'un chasseur et commença à nourrir des oiseaux empaillés avec du grain. Tout le monde riait de lui, mais un beau jour, les oiseaux empaillés ont repris vie. Ils ont battu des ailes, ils se sont envolés vers le ciel. Tout le monde riait de nouveau, mais cette fois-ci de joie, et l'ange moustachu riait lui aussi. Avec suffisamment d'imagination, ces oiseaux vont s'animer, eux aussi, et s'envoleront vers le ciel, parce que la magie existe, dit Tonino Guerra. Un jour, Sergei Parajanov m'a dit, « Tu sais, j'ai fait connaissance avec Tonino Guerra. »« C'est qui ?» j'ai demandé. « Tu es un homme malheureux si tu ne connais pas Tonino Guerra », a dit Parajanov. Les années ont passé, des décennies, et le hasard m'a présenté Tonino Guerra. Nous sommes devenus des amis et je me suis retrouvé soudainement dans un monde extraordinaire et qui ne ressemblait pas du tout à la réalité habituelle. Le monde de Tonino, c'est un monde unique. Il n'y a pas que les tableaux, les sculptures, la poésie, les films célèbres. Il constitue en lui-même un univers, peut-être petit, mais c'est bel et bien un univers. Et dans cet univers coexistent des choses très différentes. Voici le jardin de la pensée. Je crois qu'on ne trouve pas de jardin semblable ailleurs. Les gens viennent ici pour réfléchir à leur vie, à leur âme, pour distinguer le mal du bien qu'ils portent en eux, pour se comprendre eux-mêmes. Tonino Guerra dit que les sculptures sont placées en conformité avec un certain schéma magique. Mais s'agirait-il d'une mystification? Ce n'est pourtant pas une mystification que le talent magique de Tonino a fait de tout ce qui touche une œuvre d'art. Je crois bien que c'est ce talent-là qu'il associe à un autre grand magicien, Parajanov. Lui si è messo in ginocchio, li ha toccati, con un saluto caldissimo. Ma poi tante sue bizzarrie, ma che però era un suo modo poetico di vivere. Mi ha parlato di Sayat Nova, un poeta monaco. Lui ha fatto un film usando questa storia. La maladie, puis la mort de Parajanov qui venait de commencer à travailler sur un film après être sorti de prison, ont bouleversé Tonino. Malgré son absence, il a décrit d'une façon étonnante les funérailles de Parajanov.
Quand Erevan disait ses adieux au réalisateur Parajanov, il faisait chaud, 40 degrés Celsius. La ville s'est arrêtée pour honorer son grand artiste. Le soleil était à son zénith, l'air brûlait la bouche, les fontaines étaient sèches. Pendant 2 heures, une ombre de gens noircis par la douleur et la soif se déplaçait dans les rues d'Erevan. Les fenêtres des appartements situés au premier étage se sont ouvertes et des mains sont apparues pour tendre au cortège funéraire des verres remplis d'eau. Je m'en souviens des funérailles de mon ami, de ma douleur aussi, du sentiment de vide créé par cette grande perte. Pourquoi venons-nous au monde, nous tous, les grands et les ordinaires, les célébrités et les inconnus? Pourquoi venons-nous dans ce monde où la mort nous enlève tout? Nous oublions la mort avec insouciance, en traversant la vie comme un papillon. À l'époque du tournage, je ne pouvais pas imaginer que quelques semaines plus tard, je me retrouverais sur la frontière entre le passager et l'éternel, et que les vaisseaux bouchés de mon cœur me poseraient des questions sur la vie et la mort, sur la non-existence. Une autre forme de non-existence me semble encore plus effrayante, c'est celle de la non-existence au plan spirituel. Dans cette non-existence, il n'y a que des objets, de l'argent, des images importunes et le vide. De ces explosions sont Tonino Guerra et Michelangelo Antonioni. Dans leurs films Zapriskie Point, ils font exploser ce monde des objets. Guerra et Antonioni ont réalisé ensemble plusieurs films. Ensemble, ils ont gagné des Lions d'or à Venise et des Palmes d'or à Cannes. Mi sono divertito a fare dei disegni per un Kama Sutra. Quando ci hanno proposto un film a me ed Antonioni erotico. Ora è una cosa molto strana, a due persone anziane consigliare, chiedere di fare un episodio erotico e quindi ci dovevamo fidare sulla memoria. Eros fut leur dernière création commune. Voici des images du film Blow Up. C'est un grand classique du cinéma. Guerra et Antonioni ont réalisé ce film à Londres en étant très loin de penser qu'ils étaient des classiques. L'odeur du tabac et celle d'herbes aux effluves érotiques remplissaient l'air. Des filles en mini-jupe venaient fumer de la marijuana en riant aux éclats. Tonino comprenait que derrière cette fête se cachait la solitude, l'isolement, du vide. On perdait le sens de la réalité.
Tout n'était plus qu'un jeu de l'imagination, un jeu absurde comme le serait le tennis, sans une balle. Pour leur film Blow Up, Tonino Guerra et Michelangelo Antonioni ont reçu le prix de l'Académie américaine du cinéma, un Oscar. Tonino n'aime pas les grands rassemblements, les manifestations culturelles à grande échelle. Cette fois, il n'est pas allé à Cannes pour recevoir la Palme d'Or. Trois fois, il n'a pas pris l'avion pour aller à Los Angeles où on allait lui remettre un Oscar. On retrouve les trophées des différents festivals internationaux dans son jardin, frappés par la pluie ou placés dans d'autres endroits surprenants. In 1998, he worked for the fifth time with a great Greek friend. Mais il est allé à Rome pour recevoir un prix pour l'ensemble de son œuvre remis par Jeanne Moreau et Wim Wenders. Signor Tonino Guerra. Les œuvres littéraires de Tonino Guerra font partie des programmes scolaires et universitaires. Il est l'auteur d'une centaine de récits, de nouvelles, de pièces de théâtre, de poèmes. Il a reçu plusieurs prix littéraires, mais son plus grand trésor, c'est sa femme. Laura! Laura! Вкусные, привкусные. Это вот это. У тебя таких нет в саду. Попробуй. И это называется, значит так, это единственная арка в мире, это одна из мистификаций Тонино, уголок покинутых Мадонн. Пошли, баба, расскажем еще сказки. Quand ils se sont rencontrés, elle avait 30 ans, lui 50. André Tarkovsky et Michelangelo Antonioni furent les témoins de leur mariage. Ensuite, ils sont partis en Italie. Laura a appris l'italien. Elle est devenue une partie intégrante de l'univers de Tonino. Elle lui a consacré sa vie. Elle est généreuse, elle aime accueillir les invités à table, les écouter, parler avec eux. C'est une belle femme et qui a de la volonté. Elle est aussi très sensible. Elle aime beaucoup les animaux. Les chiens et les chats, chez eux, vivent dans l'amitié. Этот столик, где живут портреты. В центре портрет моей мамы, которая красавица. Это дедушка и бабушка. Это мамины родители. Вот здесь мой дедушка молодой. Этот портрет сделан в Карсе, потому что прадед был губернатором Карса и Армавира. Он был дворянин Веселиков. Дедушка был губернатором. И этот губернатор женился в Карсе на армянке. Так что у меня какая-то доля крови армянской есть. Может быть, это даже видно на лице, не знаю. Может быть, глаза. И, к сожалению, здесь уже портреты ушедших. Я думаю, они ангелы. Они живут в этом доме в Италии, в моей комнате. И я иногда прихожу и разговариваю с ними. Padre veramente santo, a te la lode d'ogni creatura.
Лора! Tonino Guerra vit dans la petite ville italienne de Penabili, dans la province de Romagne, où il a laissé partout une bonne trace. Ici, près d'une tour médiévale, Tonino a étendu des tapis. Ils sont dédiés aux grands hommes, à ceux qui ont contribué à la gloire de l'Italie ou à la gloire universelle. Les tapis dans l'herbe rappellent aux gens leur propre histoire et qu'il ne faut pas oublier le passé. Ce sont les messages du maître qu'il a marqués sur le sol. Dans plusieurs villes, Tonino Guerra a construit des fontaines qui sont elles aussi des messages. Ils sont venus le visiter, prenant la forme du conte. C'est une longue conversation entre l'eau et la pierre, le verre et l'imagination humaine. Un tapis sur l'eau emporte avec lui nos souvenirs. Quand tu es sur le point de disparaître, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Tes souvenirs, l'amour de tes proches, la foi, avoir espoir en les médecins? C'est peut-être le sourire fugitif d'une fille aperçue au café qui pourrait te sauver. Deux jours avant sa disparition, Federico Fellini a dit à Tonino « Si seulement c'était possible que de tomber amoureux encore une fois. » Nous sommes chez des sorciers. Ici vivaient et vivent encore des sorciers véritables. Leur art se transmet de génération en génération. Ils prévoient le futur, ils savent le destin des gens, ils ont de la clairvoyance. Ce sont de bons sorciers. Voilà pourquoi Laura et Tonino entretiennent leur amitié. Aujourd'hui, ils avaient prévu notre rencontre. Fellini. Grazie, era molto innamorato dei miei racconti che facevo sulla Germania, specialmente quando gli dicevo che vicino alla nostra baracca d'inverno, nella nebbia, c'era una baracca che non si vedeva nella nebbia di ragazze ungheresi. E io sentivo che loro cantavano, sentivo continuamente un canto, un lamento, e lui voleva che glielo cantassi. Oh, boldo, sacro varni, Gianni Rousseff. Oh, boldo, metto la Gianna Rousseff. Tonino et Federico Fellini sont devenus très tôt des amis.
Ils connurent une grande amitié pendant toute leur vie à la fois longue et courte. Ils ont travaillé ensemble et créé des chefs-d'œuvre du cinéma. Le film « Évogue le navire » a reçu une Palme d'Or à Cannes. Le film à Marcord s'est mérité un Oscar. Tous les films qu'ils ont réalisés ensemble sont sublimes, y compris leur dernière œuvre, Ginger et Fred, avec l'incomparable Giulietta Massina et leur ami le plus cher, le comédien extraordinaire, Marcello Mastroianni. La disparition de Fellini et puis celle de Massina ont créé un vide. Ces deux fleurs de pierre, Tonino les a dédiées à leur mémoire. Tonino a sculpté deux colombes qu'il a placées dans le jardin des fruits oubliés. Sous le soleil, les ombres des oiseaux dessinent les profits de Federico Fellini et Giulietta Massina. Dans le jardin de Tonino, il y a un banc sur lequel Federico aimait rester assis pendant des heures. On croirait parfois qu'il y est encore assis. Il suffirait d'écouter pour entendre sa voix. Le grand hôtel de Rimini où Federico Fellini a passé de longues années est aujourd'hui désert. Ses fenêtres et les balcons sont fermés, mais l'été arrive et les vacanciers insouciants visiteront de nouveau ses enfilades et ses parcs. Tout le monde sait que le grand Federico Fellini est né dans cette ville, qu'il a vécu et travaillé ici, sur ses œuvres et qu'il voulait, avec Tonino Guerra, rendre les gens meilleurs. Quand Federico Fellini est mort, j'ai réalisé à quel point le monde est imparfait. À quoi ont servi la conquête de l'espace, d'avoir marché sur la Lune, si on reste incapable de sauver une telle vie? Cependant, il me semble que Tonino et Fellini ne seraient pas de cet avis. Dans l'un de leurs films, tout le monde chante tandis que leur navire coule. Cela signifie que l'art s'oppose à la mort, qu'il va la vaincre. Est-ce là notre espoir? Allô, Celentano. Grazie, grazie, grazie. Tu sei dolce e spero che la tua voce possa arrivare anche in Armenia. Questa città e questo mondo, questo paese caldo che, devo dirti la verità, mi ha trasformato. Comunque ci sentiamo presto. Un abbraccio. Thank you.
Tonino Guerra ne laisse pas que la vie devienne ennuyante. Il a créé une foire qu'on organise annuellement. Des gens viennent de tous les coins de la Romagne pour s'amuser. Cignate il mirafiori, venduto. Dieci euro! Tonino apporte de la joie en rappelant à tous que la vie est belle et qu'il faut préserver cette beauté et ses formes originelles. Tonino a créé ce jardin sur le site d'une ancienne décharge publique. Il l'a nommé le jardin des fruits oubliés. Des fruits poussent ici que les gens mangeaient durant l'Antiquité et pendant la Renaissance. Leur goût oublié permet de ressusciter et de connaître le passé, de le sauver de l'oubli. Dans ce jardin, il a construit une arche de triomphe. C'est une œuvre originale et dédiée à ceux et celles qui n'ont jamais connu la gloire, qui ne sont jamais montés sur un piédestal. Il y a une chance qu'en passant sous cette arche, on devienne heureux. Nous sommes passés dessous. Dans ce jardin, il y a une chapelle. Tonino l'a construite à la mémoire de Andrei Tarkovski. Io non so che cos'è una casa. Un cappotto. Ils étaient des amis. Ils ont travaillé ensemble, voyagé. Ensemble, ils ont créé le film Nostalgie. Par la suite, une maladie a emporté Andrei Tarkovski. Des mondes disparaissent, les gens disparaissent, mais il faut qu'ils subsistent dans notre mémoire. Depuis longtemps déjà, Andrei Tarkovski a disparu avec ses plans et ses idées grandioses. Les films qu'il n'a pas pu réaliser sont nombreux. Il nous reste les scénarios écrits par Tonino pour Andrei. Tonino a construit cette chapelle avec les pierres d'anciennes cathédrales tombées en ruines. Des milliers de gens viennent ici et apprennent qu'il a vécu cet homme de grand talent, Andrei Tarkovski. Maintenant, Tarkovski appartient à l'éternité et des escargots magiques ont scellé sa porte avec des fils dorés. Notre présence, le tournage, embêtait parfois Tonino. Il se montrait mécontent et capricieux, ou il prétendait l'être. Ces plaisanteries nous ont rapprochés l'un de l'autre. Avanti! No, io non parlo adesso di Antonioni, ancora Perlini, basta. Chiudi la porta. Un'altra Tonino, volta, hai dimenticato, sono armeno. Bene, avanti.
Avanti. No, io non parlo, basta, non voglio parlare né di Felice, Antonione, va tutta questa storia, va. Chiudere la porta. Tonino, hai dimenticato? Sono armeno. Tu ami Armenia? Amo. L'Armenia è l'unico posto che mi ha cambiato completamente. Non è... sono capitato a vedere capolavori, ho incontrato chiese straordinarie da tutte le parti del mondo. Mi hanno riempito di meraviglia, ma non è stato come in Armenia. Cioè, i monasteri armeni, formati da questi piccoli monaci che con le preghiere hanno liquefatto la roccia. Ecco, questa loro devozione profonda, questa forza della debolezza, questa mi ha incantato molto. Il museo centrale di Yerevan mi ha riempito di tempo, mi ha ridotto polvere. Mi sono fermato vicino a un carro con le ruote di legno e la signora ha detto, dice, è un carro funebre di 2000 anni prima di Cristo. E tutto quello che vediamo, gli oggetti, le piccole sculture, è tutto... è prima di Cristo, 1000, 2000 anni prima di Cristo. E io ho viaggiato, sono stato nelle strade dell'Armenia con questo peso del tempo addosso. E ancora adesso ce l'ho addosso tutto questo tempo. Sono tornato da 2 o 3 mesi e sento l'influenza di quei giorni vissuti in Armenia. Il loro silenzio, il loro parlarmi segretamente e io che guardavo le tombe di questi monaci che hanno fatto questi miracoli, che vogliono che la gente cammini su di loro per dare ancora un senso di miseria, di accettare l'umiliazione più grande. Non dimentico l'immagine bianca come una vela dell'Ararat, questa montagna che sta sempre negli occhi degli armeni. Ritengo, per non solo per gli italiani, per gli europei, per una persona, per qualsiasi uomo, che sia indispensabile arrivare un giorno in Armenia e restare lì per raccogliere questa nuvola di spiritualità. Chi visita l'Armenia diventa per una parte, anche se piccola ma magica, diventa un armeno. Io sento che venire in Armenia è iniziare un viaggio verticale.
e pieni di pietre sciolte da preghiere. Arménie, tes yeux sont pleins de pierres, délavées par les prières. Leurs mains croyantes ont œuvré. Arménie, sois bénite. Tes vols vers le haut, dans le temps. Il est impossible de ployer tes épaules. Tu passes à travers les espaces qui n'existent pas. Les visages vivent dans la mémoire. Les souvenirs du passé caressent les rêves ressemblant aux lucioles de mai. Un sogno di lucciole di maggio. Des milliers de personnes, des simples écoliers, le Dalai Lama, viennent d'Italie et de partout dans le monde jusqu'à Penna Billy, chez Tonino. Cet homme extraordinaire attire tout le monde. Le réalisateur Gheorghe Danelia, ami de Tonino, décrit celui-ci avec beaucoup de précision. Tonino est poète, scénariste, écrivain, peintre, sculpteur, dramaturge, architecte, journaliste, constructeur, mécène, pédagogue, métallurgiste, inventeur, homme politique, agronome, jardinier, chimiste. En bref, c'est un brave homme. Il est aussi un joueur de football et un saxophoniste. Tonino aurait dû naître pendant la Renaissance. Par la diversité de ses activités et son niveau, on pourrait le comparer à Léonard de Vinci. Sauf qu'il est connu que Léonard ne jouait pas au football, qu'il ne jouait pas du saxophone et qu'il n'écrivait pas de scénario. Je partage cet avis. Il est possible que Tonino Guerra soit la dernière feuille sur l'arbre de la Renaissance italienne. De nombreux amis de Tonino Guerra sont des gens connus. Comme Gianni, ami de Tonino et Laura. Il a 72 ans. Il est coiffeur. C'est aussi un antiquaire célèbre, un amoureux de sa patrie, la Romagne. Han tagliato un albero giù nella strada. Adesso ma son dito finito. Il connaît tous les chemins d'ici, tous les châteaux, chaque buisson. Chaque arbre. Tonino et Laura lui ont demandé de nous servir de guide. Gianni a accepté avec joie et ensemble nous sommes partis. Bien qu'il ne parlait qu'italien et qu'il n'entendait à peu près rien, car une maladie l'a rendu sourd, nous nous sommes compris et sommes devenus des amis. Di abbracciare una bella ragazza. Bravo. La Romagne est un pays impressionnant. Ce petit territoire que traverse une rivière fameuse, la Rubicon, a vu naître, vivre et travailler des génies, des gens extraordinaires comme Antonioni et Fellini. Ici, dans l'ancien Urbino, sur cette rue en pente, vivait Raphaël. Voici San Leone, une ville médiévale. Ici était enfermé le comte Cagliostro. Il est mort dans ce château. Voici la petite ville de Predappio. Ici est né et fut enterré Benito Mussolini. Tonino Guerra et Federico Fellini ont ridiculisé ce dictateur dans leur film Amarcord.
Mais quand il était petit, Tonino l'admirait, comme les autres enfants à son époque. La ville de Ravenna est connue pour ses monuments historiques. Ici, dans le cœur de la ville, on garde les restes de Dante Alighieri. Cette roue servait à appliquer des dessins sur la toile. Elle a été inventée et fut construite par Léonard de Vinci. Comme vous le voyez, elle fonctionne encore. Dans cette petite ville de Sant'Arcangelo, le génie de la Renaissance a œuvré pendant de nombreuses années. Tonino Guerra est né 5 siècles plus tard. De mes d'una spianata grande. Au milieu d'un vaste champ se trouvait un poirier solitaire. Vêtu des robes rouges de l'automne, des feuilles prêtes à tomber attendaient un ultime souffle de vent. Et moi, avec elle, j'attendais aussi. Je fixe parfois des yeux un objet, par exemple un verre, jusqu'à ce que je ne le vois plus. Et puis je deviens impondérable ou léger, comme une bulle de savon envolée, nul ne sait où. Spesso io vengo in questi posti abbandonati, in questi dove le case ormai sono rotte, non sentono più voci, non hanno più compagnia. E che cosa guardo? Guardo queste vecchie porte, una alla volta, i legni, i catenacci, le vecchie pietre che stanno all'angolo delle vecchie, di questi muri crollati. Sono subito a una felicità interna, perché tutto questo mondo abbandonato somiglia ai rottami dei ricordi che sono dentro la mia memoria. Quindi i muri delle città che ho visto intere, ma già diventate rovine dentro di me, si accompagnano a questi muri di questi borghi abbandonati. Certe volte mi viene, ricordo la casa dove sono nato. Ritrovo nella memoria il comodino vicino al letto di mio padre dove lui spegneva il sigaro. Rivedo quelle vecchie cartoline che noi mettevamo ai vetri di una vecchia credenza.
so però che da un momento all'altro tutto si crollerà, tutto diventerà materia, tutto diventeranno frammenti. Così una parte di un monastero armeno sarà vicino al comodino di mio padre. Vorrei tanto che questo documentario servisse soprattutto a farmi ricordare, non come qualcuno che ha fatto tanti film e ha scritto delle parole poetiche, ma come qualcuno che dice agli altri di avere coraggio. Vorrei dire agli altri che il rumore della pioggia è stupendo e la caduta della neve che imbianca tutti i pensieri è meravigliosa. Chacun d'entre nous doit répondre de ce qu'il fait sur Terre. Chacun d'entre nous laisse une trace. Le chirurgien met sa signature sur la vie qu'il a sauvée. L'artiste signe la toile. L'essentiel, c'est cette trace qu'on laisse derrière soi. L'opération s'est bien passée. Je suis vivant et nous avons terminé le film. Parajanov avait raison. Nous sommes heureux d'avoir rencontré cet homme extraordinaire qui vivra éternellement sur notre planète.